Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, une vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui on va ouvrir colis, ces fameux colis que j'arrive jamais à ouvrir. Mais il faut bien ouvrir pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, les amis. C'est fragile, hein, les amis. C'est très, très fragile. Ça a été envoyé, les amis, je vais vous dire par qui ça a été envoyé. Ça a été envoyé par nos amis Easy, les amis. Donc, je voulais remercier avant de commencer cette vidéo. Merci à eux de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ce colis, les amis. Donc, maintenant, place à la découverte de colis. Donc, les amis, pour ouvrir ce colis, j'ai besoin d'un couteau. Bon, un simple couteau, tranquille, pénard. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Allez, c'est parti. Logiquement, ça devrait arriver. Donc, on va craquer là. Voilà, j'ai fait un petit trou. Logiquement, je ne devrais pas galérer. J'ai pas galéré. Franchement, je n'ai pas galéré. Bon, ça va, c'est pas un carton. Donc, c'est mieux. Donc, ouais, le truc à bulle. Très, très fragile, les amis. Très, très fragile. Voilà, on va poser ça là. Donc, à votre avis, les amis, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. On va découvrir ça. Allez, on va découvrir ça. C'est vraiment très, très fragile, les amis. Machin. Oh, c'est dommage, il n'y a pas le machin à bulle. Mais bon. Hop, on va tirer. Ça, c'est plus dur que je le pensais à découvrir. Donc, qu'est-ce qu'il nous a envoyé notre ami Easy MX? Une manette contrôleur, les amis. Voilà. Waouh. Regardez la bête. Nickel, hein, les amis, hein, franchement. Une manette contrôleur qui va sur PC et les joueurs Switch. Ceux qui aiment bien jouer sur la Switch, les amis, ça va sur Nintendo Switch aussi. D'accord? Ça fait Switch et PC. Donc, on va le découvrir, les amis. On va la découvrir tous ensemble. Allez, c'est parti. Et c'est la nouvelle manette, les amis. Je vais préciser. C'est la nouvelle manette de la marque. C'est une X05, les amis. Une toute nouvelle manette qui vient de sortir. Ah, ça, c'est les petites... vous voyez, les amis, pour mettre au joystick. Si on veut, on peut mettre des petits ballons, des trucs comme ça. Voilà. Regardez, le petit décor, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt chouette. Hein. C'est plus, on peut changer, voilà, si on veut. Pas obligatoire. Mais c'est toujours ça. Toujours sympa. Et le câble que on peut brancher directement pour essayer la manette. Donc, comment se présente la manette, les amis? Je vous explique. Dans la manette, il y a clé Wi-Fi, les amis. D'accord? Donc, tu branches ça sur ton PC, d'accord, et a fait Bluetooth, voilà, grâce à la clé, voilà, on va l'appeler comme ça, la clé Wi-Fi. Donc tu la branches sur un PC et ça le fait tout seul. Donc elle se présente, les amis, comme ça, voilà, elle est très très belle. Il y a plusieurs couleurs, franchement, au toucher, elle est pas mal, voilà, elle est grippée. Les gâchettes, franchement, pas mal. Il y a un petit bouton, les joysticks, voilà, regardez, les joysticks, c'est pas mal, franchement, elle est pas mal du tout. Le toucher aussi, et voilà, je vous l'ai dit, elle se présente comme ça. Il y a le bouton, menu, comme d'habitude, comme une manette normale, quoi. De toute façon, vous retrouverez tout en détail, le site internet pour la manette, vous le trouverez en description. Allez, et franchement, la qualité, pas mal du tout, et le prix surtout, pas mal du tout, les amis. Mais ça, on va le voir tout de suite après, les amis. Donc, on va essayer la manette sur un jeu. Allez, on se retrouve tout de suite après. Donc, les amis, nous voici sur le jeu iDefiant. Un jeu FPS totalement gratuit au passage, hein, les amis, d'accord? Il est disponible sur console et PC. Donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que c'est un jeu FPS. Du coup, c'est un peu un jeu d'action, que on ressent les mouvements et tout. Que je voulais pas... Enfin, j'aurais pu choisir le jeu Fortnite, hein, d'accord? Mais, comme je vous l'ai dit, cette saison... elle est pas ouf de Fortnite, faut le dire. Du coup, j'ai préféré jouer au jeu iDefiant, que j'adore au passage, franchement. C'est du pur délire. Et vous pouvez m'ajouter en ami au passage, les amis. D'accord? Je le mettrai en description pour me demander un ami sur le jeu. J'accepte tout le monde. Voilà. Donc, désolé pour les joueurs Fortnite, mais ça sera iDefiant pour essayer cette manette. Donc, c'est parti, les amis. Donc, on va mettre le mode... ah, première sensation, franchement, très bonne prise en main. Les joysticks, ils répondent bien. La clé Bluetooth ne répond bien. Vraiment, rien à dire, les amis. Vraiment une super manette. Tu m'as trouvé. Regardez, vous voyez, très bonne manette, très bonne sensation, les amis.
très très bonne sensation. Vous apporte plus de récompenses, mais aussi plus de risques. C'est pas parce que, les amis, je le dis, hein, c'est pas parce que c'est une OP que je dis des points positifs, hein, d'accord. On m'a pas conseillé, je vous le dis, on m'a pas conseillé de dire du bien de la manette, les amis. Vraiment. Si j'aurais pu dire que la manette est pourrie. Hein. Vraiment. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais c'est pas le cas. De toute façon, je vous l'aurais dit, c'est pas le cas du tout, les amis. Vraiment. C'est une très très bonne manette. Là, je suis H. Ah, ah, malheureusement. C'est dommage. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le gameplay, les amis, la sensation, on va découvrir bah, le prix. Ah oui, allez, passons au prix. Donc, les amis, nous voici sur le site Easy MX. Voilà, vous pouvez trouver différentes couleurs. Il y a différentes couleurs de manettes. Une verte. Une comme j'ai au milieu et une noire, les amis. Il y a plusieurs sortes de trucs. Vous voyez, il y a les effets du joystick, anti-drift. Les amis, c'est très important. Les gâchettes de précision, franchement, sont mous, sont agréables. Et la réponse, vous voyez, c'est une réponse très très vite. En 0,1 milliseconde, c'est rien du tout. Avec la technologie, bien sûr, de X05. Donc, les vibrations, vous avez 5 levels de vibrations. Et vous voyez, vous avez des manettes pro et tout et tout. Donc, le prix, les amis, de la manette. Donc là, elle est à 28,95€, les amis, la manette. Franchement, pour le prix, c'est correct. Pour une manette comme ça, franchement, le prix, il est pas très cher du tout. Hein. Et la bonne nouvelle, les amis, de cette vidéo, grâce à mon code promo, vous pouvez bénéficier de 12% en rentrant le code HTX5. De toute façon, ça sera en description. Donc, au lieu de que ça soit 28,95€, elle sera à 25,95€, les amis. C'est pas magnifique tout ça? Donc n'hésitez pas les amis à jeter un coup d'œil au site. Donc dites-moi en commentaire les amis si vous comptez prendre la manette ou bien qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de manette. Dites-moi en commentaire les amis, je voudrais bien savoir. Et je lis tous les commentaires les amis, d'accord? N'hésitez pas. Et franchement, la manette la plus chère les amis, elle est à 47,95€. Mais encore une fois les amis, grâce à mon code promo, vous pourrez l'avoir moins cher. De toute façon les amis, tout sera en description encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site et pourquoi pas en prendre une. Et je rappelle les amis, la manette fonctionne sur toutes les plateformes, que ça soit console, PC et même Nintendo Switch les amis. Ah oui, j'ai pensé à vous pour ceux qui jouent sur la Switch. Avoir une manette comme ça, franchement, ça va vous changer la vie. Vous pourrez faire des top 1 sur Fortnite. En parlant de Fortnite les amis, merci beaucoup à tous ceux qui mettent JT80 dans la boutique. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas les amis à m'envoyer des messages en privé en disant j'ai mis ton code créateur, comme ça vous passerez dans la prochaine vidéo les amis. Donc voilà qu'est-ce que je pouvais dire sur cette manette les amis de Easy MX. Encore une fois les amis, merci à eux de m'avoir offert cette manette et de m'avoir fait confiance. Donc voilà, cette vidéo va se terminer les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, quant à nous les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, un nouveau short ou un nouveau live les amis. Merci beaucoup du soutien du fond du cœur et je vous dis ciao ciao bye bye, à bientôt les amis et bisous, ciao.